T'en as marre de packer des joueurs nuls sur FIFA et tu voudrais avoir une équipe comme celle-ci, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Avec mon code AXOSKILL, tu auras 6% de réduction. T'en as marre d'être en division 7 sur FIFA ? Oh ! Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, récompense FUT Champions, les premières des TOTS. Et au programme, on aura des bonnes récompenses, puisqu'on a fait round 3, 16-3. C'est bien, c'est pas mal. Et du coup, j'espère qu'on va chatter, parce qu'on s'est donné pour ce FUT Champion. Du coup, au programme, les récompenses, carte rouge, les packs avec le pack TOTS garanti. Et il y aura également le débrief FUT Champions avec du gameplay. Et le débrief de ma team. On est parti, let's go. Du coup, débrief de la team, les gars. Alors, franchement, la surprise, la pépite, le joueur qui m'a vraiment plu et fait plaisir, eh ben, c'est Anthony, les gars. C'est Anthony. 32 matchs, 19 buts, 7 passes D. Donc, il y a FUT Champ et il y a un peu de Clash Équipe, si je te dis pas de conneries. Eh ben, franchement, monstrueux. Même à 7 de colle, incroyable. Du coup, je vous le recommande fortement. Puskás, évidemment, trop fort. Et Sien, parlons-en. Bah écoutez, au début, j'étais déçu. Mais vraiment, au niveau des récupérations de balles, il est bon. Par contre, il a un gros problème, c'est qu'il monte trop. Tu vois, il était souvent trop haut. Et le problème, c'est que je joue avec 3 NC. Et Sien, il est en resté derrière. Pedri et Zidane, je touche à rien. Il couvre les ailes. Bon, Pedri, comme d'hab, c'est une masterclass absolue, il est trop fort. Par contre, Zidane, les gars, eh ben, je vais peut-être vous décevoir, mais il m'a bien déçu. Franchement, ouais, ça dégoûte. Vraiment, j'avais pas de bol avec lui en plus. Déçu, voilà, déçu. Ça me fait chier, mais je vais le revendre. Je vais perdre des crédits si je le revends pas. Je vous conseille quand même, si vous avez les crédits, de le tester pour vous faire votre propre avis. Mais moi, il m'a déçu. Voilà, sûrement la grande taille, j'en sais rien. Pedri, par exemple, est bien au-dessus, dans le même registre. Hein, c'est quasiment le même type de joueur avec les mêmes stats. Et du coup, bon, bah, évidemment, Dembouz, bah, franchement, je commence à vraiment le surkiffer. Il est trop fort. J'étais un petit peu déçu au début, mais j'aime beaucoup. La défense, incroyable. Todibo est très bon, les gars. Franchement, meilleur que Nacho. Nacho est bon, mais Todibo est meilleur. J'ai bien aimé. Mes latéraux sont monstrueux. Bon, Marcelo, il faut le dire, c'est... c'est incroyable, trop trop fort. Et Petr Cech, eh ben, c'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Et du coup, YouTube, je vais vous mettre un récap FUT Champions. Du coup, vous allez voir un petit peu du gameplay et voir combien j'ai fait ce FUT Champions. Non mais Zidane, c'est quelque chose, hein. Thank you.
lui, il va me niquer avec sa team. Il a l'air d'être fort. Non, mais il est trop fort. Ça se voyait qu'il était fort. Non, mais y a rien à dire. Hein. Le mec est bon. Il est bon. Il te bat. Écoute, à un moment, tu dis rien et tu fermes ta gueule. Hein. Il va bien jouer. Non, je mets Marcelo devant, vas-y, c'est insupportable. Magnifique. Putain, Zidane, là, je te reconnais. La roulette de Zidane, parfait. Allez, c'est bien. On est en 11-1, les gars. Franchement, je pense que 14, on va le faire. On devrait le faire, je pense, mais faut pas que je me déconcentre. C'est dur, là, les mecs, ils sont forts. Hein. Franchement, la défaite, le mec avait une équipe dégueulasse, mais il était trop fort. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de rage ou quoi. Après, c'est pas impossible que ce soit un pro qui ait pris le compte. Parce que franchement, il jouait trop bien. C'est pas pour faire le mec, hein, mais le mec avait un vrai niveau. Il avait un... Pour cette équipe, il avait un niveau... Vraiment, il n'y a rien à dire, tu vois. Tu le vois, un mec très fort. Hein. Des fois, tu prends des douilles, tu râles, mais là, c'était vraiment pas une douille. Heureusement qu'il marque, mais il est lent, les Zidane, il y a un problème. Je vous jure qu'il réagit mal. Il est horrible. L'action est belle, mais je dois marquer. Il doit tirer direct. Prends-la ! Il est débile, mais c'est quoi ce gardien ? Mais comment ça? Non mais vraiment, quel fils de pute. Zinchenko, 74 de tir, qui met ça? Il est bon Zidane, hein. Pouah, vas-y gros, il me dégoûte. Eh ben j'en garderai pas un bon souvenir de Zizou. Hein. Putain, ça dégoûte.
mais je suis maudit. Non, c'est pas possible, quoi. Bah, ça dégoûte. Putain, j'ai pas de chat avec Zidane. C'est atroce, quoi. C'est fini, gros. Let's go. Putain, oh, cette galère. Franchement, le jeu, il est énervant. Ah, j'avais dit que je ragerais pas. Bah, à la fin, j'ai ragé, hein. Mais ouais, en même temps, normal. J'avais envie de faire... de faire au moins 16, quoi. On est parti, on récupère les récompenses directement, FUT Champions. Du coup, hein, comme vous l'avez vu dans le gameplay, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Du coup, on a deux choix rouges, deux packs à 100 000, un pack ultime. Le pack, trois joueurs TOTS communauté vendables. Je sais pas les gars, vous allez me dire dans les commentaires YouTube et dans le chat Twitch, qu'est-ce que vous en pensez des récompenses? Moi, je trouve que c'est un peu décevant. Et je trouve dommage qu'eSport ait mis des récompenses FUT Champion, enfin des récompenses TOTS dans les Clash Équipe, parce que c'est un mode horrible. Et quand je joue en Clash Équipe, j'ai juste envie de prendre une corde et un tabouret. Et vous connaissez la suite. Non, franchement, Clash Équipe, les mecs, je peux pas. Je pourrais pas jouer. Du coup, qu'est-ce qui me plairait dans les cartes rouges? Alors, déjà, on va procéder par élimination. Mac'Jin, déjà. Todibo, vu qu'on les a déjà. Maintenant, honnêtement, même les pétés d'en bas, je prends Mitchell, il a l'air d'être fort, les gars. Vous avez vu sa carte? Adeyemi, c'est sympa aussi, tu vois. Ça vaut rien, mais c'est sympa. Maintenant, voilà, moi, ce qui me ferait rêver, c'est Suarez, Laporte, Fred, Zaha, Kakré. Je serais vraiment content, Kakré. Et puis voilà, après, première carte rouge TOTS de la saison FUT 22, les gars. Et on est parti du coup avec le numéro 1 pour Etse. Allez, c'est parti, let's go. Et on va voir quoi? Ouais, pas mal, Kakré, c'est bien, c'est bien, c'est bien les gars, c'est bien. Ouais, puis tu sais qui m'intéresse Kakré, parce que regardez les gars, j'ai Ndombele Future Star. J'ai Ndombele Fut Birthday, pardon. Allez, on est sur la deuxième carte rouge du coup, let's go. Allez, c'est bien, la première est bien, du coup la deuxième. Allez, c'est du bonus, en avant. Oh, 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 il est mieux que le premier et pourtant j'étais content les gars. Wilfried Zaha qui tombe, let's go. Putain, déjà Carrasco c'était bien et là regardez Wilfried Zaha qui vaut une fortune les gars. Mais là ça va partir sur Zaha tous les jours les gars. Allez c'est parti, Wilfried Zaha les mecs. Ouais on est bien, on est bien, on a de belles cartes rouges là, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous savez quoi les gars, on va ouvrir un petit peu des packs ici. Pour continuer l'opening, parce que mes packs à 50 000 et mon pack ultime, on les voit pas. Du coup, on est parti. Oh, let's go! TOTS! Anglais! Livramento, les gars, dans un pack pourri! Je sais pas si c'est vendable. Putain, je m'attendais pas, les mecs. C'est pas vendable, on prend, les gars. On prend, regardez les deux GT, c'est vraiment dommage. Sinon, les stats, c'est fort. Hein. Calme, 94. Oh! Oh! Gros boost! Espagne! BU! Mayoral! Bien, 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 dans un pack truc. Pack ultime, les mecs. En avant, c'est parti. Allez. Bah, c'est full animé, par contre. C'est full animé. On va voir un Kimmich. C'est bien, 89. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que de toute façon, on pack un TOTS à 88, là. C'est même prix, limite, que Kimmich. Derrière, attention, un petit boost. Oh, magnifique. Très beau pack. Bon, ben, c'est parti. Pack, 3 joueurs TOTS communauté. On va l'affronter. Il y en a marre des techs, là, c'est bon, celui-là, on va le regarder. On verra bien, en plus, en vrai, imagine, on a un Lloris, par exemple, ce qui n'est pas non plus incroyable. Derrière, ça peut cacher des trucs pas mal, tu vois. Du coup, on aura un peu de suspense. Après, c'est sûr, si on a un truc claqué, direct, bah, il y en aura moins. Ok. Allemand. Gnabry. Gnabry, c'est pas si dégueu. Je crois que c'est 100 000. Pas mal. Là, tu vois Adeyemi et derrière les 2,88 anglais, là. Bon, au moins, déjà, c'est mieux que ça. Et attention. Moreno, nul. Mac'Jin un peu mieux. Les gars, on va jamais récupérer 250K. C'est pour ça, moi, je trouvais que c'était bien, déjà, de récupérer 200. Et on va même pas récupérer 200K, regardez. Mais écoutez, j'espère, en tout cas, que le stream et la vidéo vous a plu, les mecs. J'espère que vous avez eu de la chance dans vos packs. Bah, écoutez, nous, on se capte très, très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et pour un prochain stream Twitch. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très très vite. Ciao, ciao les mecs.